Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de GR Motors. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un moteur de Porsche 993 sur lequel on va faire une remise en état complète de ce moteur à neuf. Donc ça va sûrement faire l'objet de plusieurs épisodes parce que un seul épisode sur une remise en état complète c'est juste pas possible, ça serait beaucoup trop long pour vous. Donc sur ce moteur on va procéder, comme je vous disais, à une remise en état complète, donc désassemblage complet du moteur, nettoyage des pièces, analyse et métrologie de l'ensemble des tout ce qui est équipage mobile, tout ce qui est pièces en mouvement, pour aller contrôler un petit peu l'état de ce moteur et ce qui va nous permettre de déterminer quelles sont les pièces à remplacer ou à remettre en état. Alors voici le moteur de face, je vous le présente. Donc comme vous pouvez le voir, quand c'est sorti du véhicule, ça en impose quand même avec ses échappements et tout ça. On va le remettre à neuf, parce que vous voyez, comme vous pouvez le voir, par exemple la turbine, c'est pas sa couleur d'origine, ça normalement elle est grise, mais en fait avec le temps ce qui se passe et l'érosion par les poussières, en fait elle devient couleur après. Donc là c'est pas du tout sa couleur d'origine, vous en rendrez compte au fur et à mesure qu'on refera ce moteur. Et puis évidemment vous voyez tout ce qui est état aluminium, toutes les vis qui sont en traitement de surface, en bichromatage comme on appelle, ça va être repris. Toutes les tôles aussi vont être reprises entièrement, toutes les tôles vont être reprises entièrement, donc sablage, microbillage et peinture à l'époxy. Donc les échappements vont être remplacés par des SCART en inox. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on avait une panne sur la voiture et là on s'est rendu compte en fait que nos amis les petits rongeurs sont passés par là et vous voyez ils nous ont dévoré les fils. Assez impressionnant, on se rend compte que des souris c'est capable de manger du plastique et vous voyez même du métal. On va poursuivre sur le démontage et puis après on se reprend pour la suite pour ce qui est explication et métrologie de ce moteur. Allez, petit tour du bloc, là, comme vous pouvez voir, il est complètement déshabillé. Il lui reste vraiment plus rien, hormis, vous voyez, les 2-3 sondes de cliquetis ainsi que la température. Là, maintenant, la procédure, on va déposer tout ce qui est cache culbuteur, tout ce qui va être carter de distribution, pour commencer par désassembler arbre à cam, culasse, cylindre,
qui se situe ici. Et après, une fois qu'on en est arrivé là, on va séparer les deux carters pour aller retirer vilebrequin ainsi que arbre intermédiaire avec les chaînes de distribution. Donc, petite vue du dessous, hein, comme vous pouvez voir, bon, bah, c'est comme le dessus, hein, c'est gras, hein, y a de l'huile un petit peu partout. Hein. Souvent, les moteurs de Porsche fuient à ce niveau-là, hein, mais bon, je vous expliquerai, alors, ces générations-là un peu moins que les anciennes générations, les 964, hein, mais ça, je vous expliquerai quand on va commencer à démonter quelles sont les différences notables entre un moteur de 980, de génération de 993 et de 964. Alors ici, comme vous pouvez le voir, bah, là, ça, c'est toutes les tôles moteurs. Hein. Donc bah, vous voyez, avec le temps et l'âge, bah, il n'y a plus du tout de peinture, hein, tout est parti. Hein. Vous voyez, ça part, ça s'en va même à la main. Hein. Donc bah, tout ça, ça va passer chez nos amis les carrossiers. Hein, ils vont s'occuper de ça, ils vont nous décaper, microbiller tout ça et nous repeindre ça dans la teinte qui va bien. Hein, donc là, c'est les tôles. Là, ici, vous avez donc le support, hein, pareil, hein, même état, donc état de rouille et tout. Hein. La turbine, hein, vous voyez l'état. Donc comme vous pouvez le voir à côté là, on a tout le système d'admission. Donc ça c'est pareil, ça va être entièrement nettoyé et contrôlé. Alors là on a pas les injecteurs parce qu'ils sont dans la boîte plus loin, c'est pareil. Et ben, les injecteurs vont être passés à l'ultrason, contrôlés sur notre banc de contrôle pour les injecteurs. Là ici après, ben, là c'est le système d'allumage, donc le faisceau évidemment il va être remplacé. Hein, et ça c'est le carter de guidage d'air comme vous pouvez voir. Bon bah voilà, là c'est gras et tout ça, ça va être nettoyé. Et le faisceau électrique va être nettoyé et contrôlé aussi. Dans ce carton là, nous avons le reste des pièces, hein, donc le double allumeur, la pompe de direction assistée, le compresseur de clim, ainsi que quelques accessoires support. Hein, tout ça c'est pareil, ça va être entièrement nettoyé, retraité, microbillé pour être remis dans l'état neuf. Eh bien écoutez, comme vous venez de voir, j'ai déposé les carters de distribution ainsi que les caches culbuteurs admission et échappement, hein, ce qui va me donner accès au culbuteur. Hein. Donc on va déposer, après la suite des opérations, on va déposer les culbuteurs, admission, échappement, ce qui va me permettre après de déposer la chaîne de distribution pour pouvoir enlever les arbres à cames, les retirer. Après on enlève le carter de distribution qui est là. On déboulonne cette partie-là qui s'appelle la contre-culasse, qui va nous permettre d'accéder aux culasses qui sont en dessous. Et après, on déboulonne culasse par culasse pour accéder au cylindre. Eh bien, écoutez, si vous avez des questions sur ce type d'intervention ou sur ce moteur, hein, sachez que nous, chez GR Motors, on fait des réfections moteurs assez régulièrement, hein, sur les Porsche ou autres moteurs. Hein, ça ne nous pose pas de problème. Et écoutez les amis, nous arrivons à la fin de cette première vidéo sur la remise en état du moteur de Porsche 993. Là, comme vous avez pu le voir dans cette première vidéo, c'était surtout, je vous ai fait faire le tour du moteur pour lui faire voir un petit peu son aspect esthétique. J'ai procédé au démontage de tous ses accessoires, échappement, admission, tout ce qui était électricité. Là, juste à l'instant, vous avez pu le voir où j'ai déposé les carters de distribution ainsi que les caches arbres à cames. Hein, et je vous ai expliqué un petit peu comment aller poursuivre les travaux sur le désassemblage de ce moteur. Et bien écoutez, tout ça, ça sera visualisé dans le prochain épisode. Donc eh bien, écoutez, je vous invite à aller voir le prochain épisode et aussi d'aller visualiser toutes nos autres vidéos qui sont déjà en ligne. Et eh bien écoutez, comme d'habitude, je vous un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Et surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez. Je vous dis à bientôt.